Bravo. Bravo, bravo. Alors, au hasard, une bouteille, un autocollant, au choix. Bravo. Bravo, bravo. Dans le carton. Non, non, mais je te roule les autres tout de suite. Il en reste. Je sais que nous en suis. Si, les faucheurs de marguerite toujours, avec un Easy Glider, 14e place pour Philippe Simon. Bravo. J'étais 7e sur 7. Oui, mais c'est la catégorie que je suis en train de faire. Oui ou non. Faites votre marché, n'hésitez pas. À la 13e place, 826 points pour Julien Quellier, qui nous vient de l'AVA. Et un super Ansel. Bravo Julien. On le voit plus sur le circuit VGM qu'en planeur, mais. Bravo en tout cas. Première participation, c'est ça? Première participation ici. Eh ben, bravo. Merci beaucoup. On revient chez nos voisins de Massilly également avec un tir groupé à la 12e position. Michel Voisin, 833 points. Allez Michel. Bravo Michel. Hein? Hop hop hop. Des autocollants, une bouteille. Voilà, bravo. Et puis, Michel est membre du foyer rural de Massilly, mais le président Thierry Coy, eh bien, il est 11e avec 860 points. Tu récupères? Il est parti. Il est parti, Thierry. Eh bien, tu te prends pour lui. Pour boucher les trous. Oh, méchant. Sarcastique. Voilà, les autocollants, tu peux en prendre plusieurs. Hop, ah, j'y arrive. Ah, on a trouvé une polaire sans manche, pas loin. Polaire, oui. Polaire, ça, ça peut pas être dans ce moment, ça. C'est pour l'hiver, ça. Mais enfin, bon, on a trouvé ça, si ça appartient à quelqu'un. Elle est pas loin, elle est là. Hop, je la mets non, ici. Pas dans la poubelle. Non, pas dans la poubelle, sur la poubelle. C'est pas la même chose. Donc, je reprends. Alors, à la 10e place, je retourne en Belgique avec le Chouka de Victor Bonjean. Bravo. Bravo, bravo. Avec un Chouka qui est une belle performance, parce que le Chouka, si mes souvenirs sont bons, ça date pas d'hier. Et c'est vraiment le tout début du vol de pente, le Chouka, donc dans les années 70. Et c'est vraiment une belle performance. Bravo, bravo, bravo. 870 points. À la 9e place, un représentant de la MJC de Chenauve, David Pereira, 913 points. Bravo, bravo David. Là, le choix s'étiole, effectivement. Hein. On retourne en Belgique avec un des représentants des faucheurs de marguerite, Jean-Yves Lebleu, 983 points, à la 8e place. Bravo, bravo, bravo. Une bouteille, elles sont là. Au choix. Bravo en tout cas, bravo et merci. Bravo et merci. Merci, merci, c'est gentil. À la 7e place. Et premier, non, c'est ça. À la 7e place, une mention toute particulière pour le premier de la catégorie 2 axes, avec là encore beaucoup de points et des cibles à 75 et 100 points, avec un Bétinas qui n'est pas forcément facile à placer dans la cible, avec les conditions d'aujourd'hui, c'est Bertrand Doué. Oui. 995 points, il est juste sous la limite. Là, et la bouteille et le t-shirt offert par Grosvenor. Bravo, bravo, bravo. Il fallait vraiment deux axes aujourd'hui, il fallait vraiment se battre. Et c'est, je trouve, une 7e place, c'est vraiment pas mal pour la catégorie. Bravo en tout cas. 995 points, juste sur la barre des 1000 points. Bravo.
On descend dans le sud maintenant avec le MACAP Robin Barona avec 1004 points à la 6e place. Bravo. 6e place avec un F3K. Donc c'est vraiment une belle performance. 1004 points, ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur. À la 5e place, on rentre dans le quintet de tête. 5e place, là aussi avec 1034 points, Jérôme Tullier, la MJC de Chenauve. Bravo. Bravo Jérôme. Bravo, bravo. Allez, on remonte toujours, 1034 on était, on revient à 1040 points. Pour un sudiste, Jean-Guy Pardot du MACAP. Il est quatrième place, Jean-Guy. Bravo. Avec un F3K également. Bravo, bravo. Bravo et merci de monter nous voir tous les ans. À la troisième place, 1049 points, Didier Cervera. Mais c'est moi ça. Avec un Gracia. Merci. Donc sur le point, 1049. C'est pour moi, hein, d'accord, c'est pour moi, d'accord, tout va bien alors. Ouf, sauvé. Il a gagné un kit, tout va bien. Il est content. À la seconde place, il ne reste plus que deux, hein, donc là, à moins que j'ai oublié quelqu'un, mais normalement non. À la seconde place, alors vous allez voir que l'espace entre les trois premiers, je vous donne les scores, donc 1049 pour le troisième, 1053 et 1066, donc il y a vraiment très très peu d'écart, donc ça se joue vraiment à très très peu de points. À la seconde place, 1053 points, Jean-Louis Cousseau du club de Massilly. Bravo, 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 il gagne le trophée, un kit CD Design. Oh, c'est dingue. Ah oui, un peu plus. Oh bah merde alors, une bonne bouteille et une gapette pour tenir. Bravo, bravo, bravo. Et puis il n'en reste qu'un, 1066 points. Avec un spiral, avec une entorse de la cheville. Il vient du club de Vermodello, c'est Jean-Michel Yvet, 1066 points. Bravo Jean-Michel. Encore une fois dans le haut du classement. Bravo, bravo, bravo. C'est une très très belle performance. Bravo. Bravo. Il va falloir un porteur parce que tu vas avoir un sac pour ta radio, un kit à construire. Dédé, tu vas avoir du bois à assembler. Voilà, un petit plat noir. Bon choix. Donc, encore et toujours, un petit... On se met la tête au soleil. La tête au soleil, hop, voilà. On se décale. Merci. C'est bon, tu peux faire modèle photo, tout bon. Bien, ainsi se termine cette 47e première édition du vol de pente à Mâcon. Comme je vous l'ai déjà dit tout au long du week-end, eh bien, un immense merci à vous toutes et à vous tous.